bienvenue dans un nouveau weekly vlog. J'espère que ça va bien. J'avais envie de vous amener avec nous cette semaine. On a une belle grosse semaine, quand même assez occupée. Fait que je me dis que j'allais vous amener avec moi. C'est la dernière semaine complète en fait avant les fêtes. Fait que la semaine prochaine, je pense par le temps que vous voyez ce vlog-ci, ça va être comme la semaine de la veille de Noël et tout. Fait que ça va être une plus petite semaine. Fait que cette semaine, je veux vraiment essayer de travailler le maximum pour pouvoir vraiment prendre comme un presque deux semaines de congé off à travailler là pour vraiment décrocher. Fait que cette semaine, ça veut dire qu'on va avoir une bonne semaine. Ce matin, je me dirigeais au bureau parce que on a des trucs d'équipe à régler. Fait que vu qu'on est parti en télétravail pour le mois de décembre, on a comme pas vraiment retourné au bureau depuis. Fait que là, c'était juste pour replacer les choses avant justement les vacances pour être sûr que tout était en ordre. Mais j'étais vraiment sur le bord de tomber en panne ce matin. Mon auto a failli pas partir. J'étais vraiment dû pour mettre de l'essence. Fait que j'arrive à la station d'essence et puis je suis venue mettre justement la gasoline dans ma voiture. Je sais pas ce que j'avais hier, puis Anto m'a dit qu'il était pareil là, on était tellement fatigués, tellement brûlés, je pense que j'ai filmé genre quoi, 3 clips, je suis revenue travailler, on a écouté une émission, puis on s'est couché, on était brûlés, pourtant, c'est ça qu'on disait, c'est genre on prend jamais le temps de faire comme on a fait la semaine passée, t'sais, un petit getaway de quelques jours juste pour se reposer, juste pour relaxer. Puis je sais pas ce que j'avais, j'avais une super bonne nuit de sommeil, je m'étais genre vraiment, on s'était quand même couché tôt, on s'était, je sais pas, vraiment une bonne sommeil là, de nuit de sommeil. Puis quand je me suis réveillée hier matin, j'étais comme, on dirait que je me suis fait passer dessus par un camion, puis toute la journée j'étais tellement fatiguée, fait que ouais, j'ai écouté mon corps, on s'est couché quand même tôt, puis ça a fait du bien ce matin, on s'est levé un petit peu plus tard. Puis on commence la petite journée. Fait qu'aujourd'hui, je travaille sur nos affaires de la maison. J'essaie toujours de vous donner un genre de petit rundown de c'est quoi mes missions de la journée. Parce que je sais qu'il y a tellement de monde qui me disent que vous trouvez ça mélangeant. Il y a comme trop de choses. Pas que je fais trop de choses, mais juste que mes horaires sont comme tellement pas standard que des fois, c'est difficile à suivre. Fait que j'essaie vraiment, c'est ça. Aujourd'hui, je suis à la maison. Je travaille sur les trucs à Anto et moi. J'ai une call de meeting aujourd'hui. J'essaie que ce soit par téléphone pour pas avoir à me préparer, mais mon premier meeting, on m'a dit « Est-ce que tu m'envoies le lien de la vidéoconférence? » Genre, ouais. Je me prépare pour ça. Puis, je sais pas trop qu'est-ce que la journée va ressembler, mais je suis sûre qu'on va avoir ben du fun. J'ai déjà avancé une coupe d'affaires, fait que je suis quand même contente. J'ai commencé à utiliser cet hydratant-là de jour de la compagnie Mad Skincare, qui est un Breakout Control Daily Moisturizer. Parce que j'utilisais leur nettoyant pour le visage et je l'adorais. Puis là, dans ma dernière boîte FabFitFun, qui est comme ça que j'ai découvert cette compagnie-là, je pouvais acheter comme celui-là en plus, mais pour vraiment moins cher. Puis j'étais comme, si j'aime vraiment le nettoyant, je vais essayer l'hydratant, et pour vrai, je l'adore, là. Il est tellement... Genre, j'ai vraiment l'impression qu'il aide ma peau. Fait que je vais continuer à le tester, mais à date, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que ouais, un petit maquillage super léger. Anto vient juste de partir pour aller faire
ses petites commissions chez ses fournisseurs. Moi, je vais travailler encore une fois, comme vous avez vu, dans mon bureau. Pas dans mon bureau, justement pas dans mon bureau. Je sais pas pourquoi, ces temps-ci, je suis comme vraiment dans le mode de travailler dans la véranda, dans notre salle à manger, parce que je trouve que la lumière naturelle est tellement bonne. Puis ça me... je trouve que ça donne l'énergie, tu sais, ça, à la place que d'être dans une pièce comme mon bureau, qui est quand même pas mal plus sombre, qui des fois, tu sais, ça, quand il manque de lumière, on dirait que j'ai de la misère à être productive, j'ai de la misère à me focusser, fait que, ouais, je travaille dans la véranda pour aujourd'hui. Sérieux, là, mes mains, là, mon self-tan, j'ai tellement rushé cette fois-ci, là, je sais pas pourquoi, mais si vous trouvez que mon visage, mes mains sont pas la même couleur, c'est définitivement le cas. Je prends un petit break de ma journée, ça se passe pas bien. J'étais comme vraiment focus, fait que ça a bien avancé, je suis contente. J'ai eu plein d'appels, je suis tellement vidée de mon énergie. Quand j'ai genre trop de social, je m'emporte un peu. Puis après ça, je crash tellement intense, c'est fou. Mais ouais, j'allais prendre un petit break. Je check ici. Mes affaires sont fermées. Non, 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 non. Fait que je vais aller écouter des petites vidéos. Relaxer un petit peu. Soyez fiers de moi. J'ai tradé aujourd'hui. Mon deuxième café compte un petit thé. Chef Anto is in the house. Il nous a préparé des boulettes avec boulettes au four, des boulettes de dinde au four, voyons. Avec des patates. Puis de la bonne sauce, ça c'est la meilleure sauce. Je vais même manger des boulettes ou quoi que ce soit. C'est la sauce de boulettes de suédoise 3 fois par jour. C'est la meilleure sauce. Puis c'est tous des ingrédients que tout le monde a chez eux ou presque. Là. Fait que, on va aller manger ça, puis profiter de notre fin de soirée. Début? Début, ouais. Début. 3, 9, 3, 7, 8. Allez. We've done it first time, we'll be more organized about it and like let you guys know. Yeah. I mean, like, you should be changing, yeah. And hopefully you're changing and evolving with us, whatever stage you're in your life. So I think we just want to, this channel will pour mon petit outfit de télétravail, j'ai mis des pantalons style flare là, qui sont vraiment comme légers, puis éléphant dans le bas, genre plus large, qui sont tellement confortables. Ils viennent de Shein, je les avais pris l'année passée ou l'autre année d'avant, c'est vraiment longtemps, mais j'aime vraiment ça genre pour travailler à la maison. T'es confo, mais en même temps, tu sais, t'as pas l'air d'être tout croche. Des fois, je trouve qu'en jogging, si quelqu'un me voit, mettons, je suis en vidéoconférence, puis quelqu'un me voit, je suis comme pas à l'aise, mais ça, je me dis, ça, j'ai l'air de des pantalons standard. Bref! Il y en a partout là, si jamais vous en cherchez. Cette laine là qui se fait super longtemps que j'ai, mais que j'aime aussi vraiment beaucoup, turtleneck. Fait que j'ai mis mes cheveux dans une petite couette, vous voyez tellement jamais comme ça, j'ai l'impression là. Mais j'aime vraiment pas. Il y a une couple d'années que je faisais tout le temps des couettes hautes, puis on dirait juste que genre ça accentue tellement mon front qui est quand même présent. Fait que je sais pas, j'ai comme développé une petite anxiété pour ça quand je fais des couettes, mais là j'essaie de hone it, c'est correct. On a toutes nos petites insécurités, nos petites choses qui nous dérangent un petit peu, mais c'est souvent plus apparent, c'est souvent plus nous qui le remarquons que les autres, hein. Fait que bref, ma journée de travail va commencer dans pas super longtemps, j'ai quasiment juste une journée de meeting en vidéoconférence, fait que ça va être une grosse journée de blabla. Mais on va accomplir bien les choses. Fait que, bonne journée! Tantôt, elle est allée à l'épicerie parce que j'avais vraiment envie de faire
une lasagne ce soir. Fait que on a de la bonne sauce à spag. J'ai acheté juste une coupe de petits essentiels, des bagels. Vous connaissez mon amour pour les bagels. J'en parlerai jamais assez. La sauce à spag, la lasagne que je fais, elle demande un œuf, puis on en avait plus, fait qu'il a pris ça. Fromage cottage pour justement la lasagne. Je vais aller prendre des avocats, ils sont vraiment, vraiment pas prêts. Mais ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'en mets comme un dans l'armoire, puis les autres, je les laisse au frigo, puis je fais comme des rotations comme ça. Ils sont pas tout prêts en même temps, puis ça nous permet de pouvoir en manger sur une plus longue période. Puis finalement, ça, c'est un des meilleurs fromages que j'aime en ce moment, qui est le cheddar mi-fort. Anto aussi l'aime vraiment beaucoup. Sinon, de President Choice, il y a le jalapeno aussi qu'on adore, qui est vraiment bon. Mais on le trouve juste au Provigo, je pense. Non, Provigo Maxi. Puis là, c'était au Super C. Fait que c'est pas bien grave, mais celui-là aussi est vraiment, vraiment très bon. Ça goûte comme un petit peu plus fort que le fromage cheddar standard. Puis ça goûte, je sais pas, c'est vraiment différent, mais c'est délicieux. Fait que je vais commencer à préparer un petit peu le souper. J'ai tellement faim. J'ai été comme en meeting toute la journée, non-stop, depuis 10h30 ce matin jusqu'à 5h. Fait que j'avais des meetings back-à-back, même qu'il y en a qui rentraient comme un par-dessus l'autre, là, tellement c'était intense. Fait que ça a été une journée super productive. Au moins, je suis bien contente. J'ai avancé énormément de choses. Puis là, vu que dans le fond, je serai pas au bureau pendant comme presque 2 semaines, j'essaie de clencher mes dossiers de décembre le plus rapidement possible. Fait que c'est pour ça que la fin, avant les vacances, les 2 dernières semaines avant les vacances, d'habitude, c'est toujours un petit peu fou. Je vais commencer à faire chauffer mon eau pour faire chauffer mes pâtes. Je vais préchauffer mon four durant ce temps-là. On va mettre ça à 400. Pendant environ 30 minutes après que les pâtes aient cuit. La sauce à spag que j'utilise toujours, c'est celle de Tellement Mom. Pas la sauce à spag, mon Dieu, pourquoi j'arrête pas de dire ça? La lasagne. La recette de lasagne que j'utilise toujours, c'est celle de Tellement Mom qui est la. Je l'ai faite là, innombrables fois. Fait que ça je fais juste écrire lasagne Tellement Mom sur YouTube, puis la petite vidéo apparaît, fait que c'est super simple à faire, elle est vraiment délicieuse. 30 minutes plus tard, puis la lasagne est prête, ça sent tellement bon, faut la laisser reposer un petit peu, fait qu'on a eu la brillante idée de faire des pains à l'ail dans les air fryer. Fait que c'est ce qu'il est en train de faire. On laisse reposer, on va manger ça, j'ai tellement faim, la maison sent tellement bonne. Miam! On a commencé un film hier qu'on a écouté 12 minutes. Fait qu'on va le continuer aujourd'hui. Ok. Pour l'activité de la deuxième journée de workout, je vais pas faire de workout parce que je suis vraiment trop raquée. J'ai tellement mal aux jambes de mon. C'est le tantôt de mes 8 exercices de hier. C'est débile quand j'ai mal. Fait que. Il a tombé une petite bordée de neige, on va aller prendre une petite marche pour essayer de faire un quand même long tour. Fait que, on s'habille chaudement, mis des jogging, manteau d'hiver, mes bottes d'hiver. Ouais, on va mettre tout ce qui est de plus chaud pour... Ah, celle-là, j'aime fou cette petite-là. Elle est vraiment chaude. On est quand même vraiment bien aussi dehors, fait que ça va être agréable. T'as-tu des guêtres? Non. Je vais juste t'en amener au cours. Ouais. Moi, je vais m'en amener. Là. Ouais. Inauguration de la patinoire dans pas long. On va y aller juste à côté de la maison. Il pleut en fait. C'est pas pour l'agréable. Ouais, c'est genre une petite pluie. Puis il y a plein de spots avec beaucoup de glace. J'ai failli tomber. Mais on regarde où est-ce que les gens d'avant nous ont passé. Où est-ce qu'ils ont fait glisser. Ça me donne une bonne indication. Mais ouais, patinoire qui ouvre pas loin de la maison bientôt. Fait que on va avoir un spot où aller patiner. Très proche de la maison. J'ai full hâte de recommencer à patiner. Ça fait plusieurs années qu'on
Mettons, moi j'y allais avec mes amis, genre, de temps en temps. Un peu, pas vraiment. Je suis pas sûr que ça va être pertinent à jeudi. Mais ben, en tout cas. C'est le patino de hockey, là. Non? Avant, il faisait un gros rond ici. OK. En glace. Un gros genre de balle. Ouais. C'est vraiment ce qui refait ça, mais je sais pas à quel point. On va sûrement savoir plus quand elle va être inaugurée. Là. Ouais. C'est l'inauguration la semaine prochaine. Je sais pas c'est quand. Ouais, je t'ai tagué dessus, t'as liké même. Oh, j'ai vu. Je savais que moi je suis fini avec le maire de Varine. Ah oui, t'es trop cool toi. Ouais. T'sais, comment c'est hot? J'arrête pas d'en poster des affaires dessus. C'est malade. Je sais pas ce que j'avais. Ben oui, je sais ce que j'avais là, mais je me suis tellement réveillée du mauvais pied, mais genre. Ouf, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé aussi intense. Fait que j'ai pas commencé le vlog avant maintenant. J'ai pris un bain en me levant, j'ai travaillé dans le bain, j'ai fait mes petites affaires. Tout ce qui était super urgent pour l'avant-midi. Puis là, je suis en train de me préparer parce que j'ai une rencontre en vidéoconférence pour l'agence. Puis après ça, on a un événement en toi et moi. Cet après-midi, ils nous avaient donné comme choix de plage horaire, soit cet après-midi ou ce soir. Mais vu que c'est à Montréal, on se disait qu'il allait sûrement avoir moins de trafic si on allait y aller dans la plage horaire de l'après-midi. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va peut-être aussi en profiter pour aller manger une petite bouchée après. Fait que bref, on va voir ce que ça nous réserve. Là, je m'en allais juste faire mes cheveux vite vite parce que c'est ça, j'avais envie qu'il ait de l'air de quelque chose. Mais je pense que je vais faire juste comme des grosses waves, comme super loose. Parce que j'avais envie d'y aller pour justement un look un petit peu plus effortless. Les chats ont vraiment été quelque chose cette nuit, puis je pense que ça m'a comme pas aidé mon sommeil qui était déjà très léger au départ. J'étais comme vraiment stressée en me couchant, puis je m'étais dit pourtant que vu qu'on faisait comme notre petit entraînement, ou genre en tout cas pas notre entraînement, mais on allait prendre une marche hier là, fait que j'étais comme ah, vu qu'on fait notre marche comme plus tard dans la soirée, ça va sûrement faire en sorte que tu sais je vais mieux dormir, mais sérieux là, c'était, ça m'a pris des heures à m'endormir, j'étais tellement de mauvaise humeur là, il y a rien qui me fâche plus que quand je suis ultra fatiguée puis que je suis pas capable de m'endormir, fait que j'arrêtais pas de bardasser. Oh, pauvre Anto. Des fois, je suis comme... Oups. C'était plus fort que moi. Comment je fais ça? On dirait que j'ai pas fait de grosses... Ah, c'est donc ben dégueulasse comme quoi, tu sais. On dirait que j'ai envie d'aplatir mes cheveux, mais j'ai peur qu'ils t'offrent pas. Puis c'est juste pour ça que je le fais pas. Oh. Je viens de terminer ma vidéoconférence. Fait que la majorité de mon travail est faite pour aujourd'hui. Ça me fait penser que j'aimerais un courriel envoyé. Il faut vraiment pas que j'oublie. Fait que je me suis changée. Je pense que vous allez voir. Fait que pour mon petit outfit de la journée, j'ai mis cette robe-là qui vient du H&M. Si je suis capable de la retrouver, je pourrais vous la mettre en barre info. Je l'ai pris en small. Elle est un petit peu plus courte que je pensais. Fait que j'ai mis genre des shorts en dessous. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Avec des petites bottes noires. Puis mon petit sac à main. C'était-tu en focus? C'était-tu genre pas en focus tout ce temps-là? C'était pas en focus tout ce temps-là. Donc, pour mon outfit aujourd'hui, j'ai cette petite robe-là qui vient du H&M, que j'aimerais vraiment beaucoup, qui est genre une robe en laine à manches longues. C'est ça, je disais, elle est un petit peu plus courte que ce que je pensais initialement, mais elle est vraiment confortable. Fait que j'ai mis des petites shorts en dessous, juste pour dire, avec des petites bottes noires bien basic que j'adore, puis mon petit sac à main Sherpa, comme ça, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Que c'est ça, tout ce que je suis capable de vous trouver, je pourrais vous le remettre en barre info. On s'est fait inviter par Uniqlo pour aller découvrir leur nouvelle collection. Ça fait une couple de fois que je fais des collabs avec eux sur Instagram, puis j'aime vraiment, vraiment leur linge. Ils ont vraiment comme des super bons basic de vraiment bonne qualité, là. Fait que, je suis bien excitée, on s'en va là-bas. On va faire un petit peu de shopping, Anto et moi. Lui aussi, la dernière fois qu'on avait été, pas la dernière fois, il n'avait rien trouvé, mais la première fois qu'on avait été, Anto aussi cherchait une coupe d'affaires, puis il avait trouvé des super belles chemises qu'il porte encore à ce jour, très assidûment. Fait que, en espérant lui trouver certaines petites choses, puis c'est ça. Tant qu'à elle là-bas, j'ai mon ami qui est vraiment pro de tout ce qui est magasin, resto à Montréal. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, Bi, j'ai besoin de connaître un bon resto que tu me suggères là, à Montréal, proche du Sandy Eaton. Fait que
Elle nous a suggéré le Time Out Market, qui est genre, elle me dit, un style de food court, mais comme plus luxueux, on va dire, qui servent des cocktails et tout. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Oh, wow! Check ça, Anthony, ils sont beaux. Wow! Anthony, ils sont beaux. Hoodie bleu pâle, elle est tellement jamais en couleur, là. T'es beau. Bon bébé! Je vais me prendre en photo ou filmer ça. C'est beau, tu portes jamais ça. Merci. Ça fait changement, c'est cool. Oui. Je sais pas, on s'est rendu où, là? On était directement dans le centre Eaton? Shopping time, baby! Je pense que c'est plus un manteau, genre d'automne. Ouais. C'est cute! Il y a vraiment, vraiment... J'aime vraiment celui-là, genre long sleeve, dans la section pour hommes. Fait que dans le fond, c'est une collaboration qu'ils font avec cette personne que je vais vous mentionner parce que c'est sûr que je vais me tromper dans comment on dit le nom. Mais il y a ces deux couleurs-là, puis moi j'aimais vraiment le orange brûlé. Mmh. Genre oversize, mettons, avec des leggings, des petites bottes style combat boots, puis genre des bas blancs. On dirait que je trouverais ça vraiment mignon. Donc on va faire le tour. Garder une coupe d'affaires. Ok. Ouais, vraiment plein de beaux kits. Genre un petit minou. Fait que... Non, pas ça. Non, mais... Après, c'est du linge pour enfants. Check ça comment c'est cute là-bas. Les petits manteaux, là. C'est vraiment mignon. Fait que, ouais, plusieurs belles choses de la collection. Puis vraiment des beaux stocks de maison. Bleu, Non, c'est sûr que le hoodie bleu, c'est beau avec ton style. C'est vraiment beau, ça. On est rendu au Time Out. Time Out. On va venir manger dans la petite pizzeria. Fait que. Toi, tu veux quoi? Allô, ça va bien? Fait qu'on est venu dans la section 18 ans et plus. Je sais même pas si on peut entendre de quoi. Mais on s'est pris chacun des pizzas Margarita. Au grand plaisir d'Anto. Avec des bières. On va déguster parce qu'on a vraiment faim et ça sent vraiment bon. Les hommes pouvaient cacher quelque chose. Les tablettes de la bibliothèque. Bon matin! Je commence la journée avec un petit colis de Lucky. Ça a sonné à la porte à genre 8h. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas du tout ce que c'est, mais il m'envoie toujours des beaux petits colis. Des beaux petits cadeaux. Oh, c'est vraiment cute. Joyeuse fête, Luna! J'ai le papier. Cute! Oh my god! Un petit recourbeur de cils. Masque anti-âge. Je sais pas, la forme a l'air trop drôle. J'ai hâte de voir ça être comme ça. Un masque tissu. Moi qui ai recommencé à aimer ça. Des superbes vernis. Oh! Un genre de sparkle blanc. Puis attends, je veux voir ce que c'est. Voyons! On se gère! Qu'est-ce qu'il y a, cocotte? C'est quoi tout ça? T'es trop curieuse. T'es trop curieuse, toi. Non, pas dedans, là. Oh, tu veux de ça? Ah, oh, cute. Il y a un vernis gel finition qui est genre un petit sparkle rose pâle. Je sais pas si vous allez être en mesure de voir. Ouais, comme ça, la couleur est vraiment cute. Si jamais vous voulez la
regardez, c'est la couleur 001 quartz. Puis un super beau blanc. Oh my god, j'aime tellement les blancs fringants. Dans les vernis standard 3 en 1 qui ont. Et que ça, je capote, c'est tellement cool. Je m'attendais pas à ça, genre, mais on a tout le temps des colis surprises, c'est super le fun. Un petit bandeau pour quand tu mets. Quand tu nettoies le visage ou peu importe. C'est quoi ça? Du champagne. Party! Un prosecco. Zonin. Oh my god. Pure bonne Noël! Oh my god, ils ressemblent tellement à ceux qu'on a en plus! Cute! Écrit Lucky en avant. Oh! Merci full! À l'équipe de Lucky, merci à la belle Florence qui m'envoie toujours des super beaux cadeaux. Tant qu'à être dans l'unboxing, je vais vous montrer ce que j'ai pris hier au Uniqlo finalement. J'ai essayé de voir le haul hier soir, mais il faisait tellement noir, on voyait quasiment rien. Fait que j'ai pris le chandail manche longue dans la section pour gars qui était genre bleu foncé et vert dans un large pour pouvoir le prendre vraiment oversize comme vous avez vu dans le try-on. J'ai pris la chemise aussi, genre grise pâle, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment leurs chemises, elles sont quand même légères, mais elles sont vraiment douces et confortables. Fait que genre de gris et jaune. Après ça, ça c'est mes long sleeves préférés. À chaque fois que j'y vais, je prends une nouvelle couleur. Mais c'est dans la section pour gars aussi. Fait que juste un long sleeve, puis encore une fois, je les prends large pour un fit vraiment plus baggy puis oversize. C'est que j'aime ça, mettre ça genre avec des leggings puis tu sais, quelque chose de vraiment casual. Puis il y avait un petit magasin Urban Behavior à côté, pas loin de Centre-Eaton. Fait que je suis juste rentrée faire un tour, puis il y a plein de stock Forever 21. D'ailleurs, qui le stock de Forever 21 revient au Canada dans les labés. Un petit peu comme des genre des petits boots là, dans les labés, style Topshop. Mais Forever 21 fait ça à travers quelques labés. Fait que, ouais. Mais j'étais bien surprise parce que j'ai vu de leur stock, dont ça là-bas, qui est un chaquette rouge, blanc et noir que j'aime vraiment beaucoup. Oversize, encore une fois, je me disais que ça allait être super beau, genre avec des leggings en faux cuir, avec des petites bottes style combat boots, des bas blancs, genre, puis une petite tuque, là, je pense que ça fait vraiment, cute comme outfit. Puis Anto a pris une couple de petites choses, fait qu'il s'est pris des petits bas picotés comme ça. C'est quand même basic ce qu'il a pris, mais il en avait vraiment besoin, fait qu'une paire de jeans noirs bien simple. Une chemise noire comme ça, parce qu'il y en a une, mais elle s'en vient vraiment désuète. Fait que c'est juste une chemise style d'habit, là. Ça va être parfait pour plusieurs occasions. Et finalement, une chemise aussi comme ça. Elle est tellement belle, c'est sûr que je vais y en porter. Fait que genre bleu foncé avec un petit peu de beige, puis de noir, de blanc. Elle est vraiment, vraiment belle. Le pattern est magnifique. Fait que ça ressemble à ça pour les petits achats du Uniqlo. Ils ont vraiment, vraiment des bons basics là, à chaque fois. C'est ce que j'aime le plus regarder de leurs affaires. On a eu aussi vraiment beaucoup de fun au Time Out Market. Si jamais vous êtes proche du Centre-Eaton là, puis vous cherchez comme une bonne place où souper, ça peut être vraiment une belle idée de regarder ça. Dans le fond, c'est ça. C'est comme un food court, quand même plus luxueux, je vais dire. Là. Fait que c'est pas des fast-food standard. Là. On t'a arrêté genre une pizzeria, sinon il y avait comme poulet, un resto de poulet portugais, asiatique. Il y avait comme toutes les saveurs de nourriture, toutes les différentes cultures de nourriture là-bas. C'est vraiment, vraiment cool. T'avais une section genre 18 ans et plus où est-ce qu'ils servaient de l'alcool. Fait qu'on a pris notre nourriture puis on est allé manger là avec une petite bière. Fait que c'était vraiment le fun. Vraiment, vraiment cool. Là. Un beau petit spot. Puis c'est sûr qu'on va y retourner. Qu'est-ce qu'on dit aux amis? On avait oublié qu'on filmait aujourd'hui, même si on filme tous les jours. On avait vraiment oublié. Fait que... Ah, j'ai passé une très bonne partie de la journée assis ici sur le divan à travailler. J'ai vraiment comme un down d'après-midi, c'est fou. Je viens de finir de faire un petit peu de ménage parce que demain, Anto reçoit ses amis pour à chaque année. Ils font comme un gros souper d'amis. Ils sont genre une vingtaine, ils sont vraiment une grosse gang. Puis cette année, vu qu'on a la maison, Anto a gentiment proposé qu'on le fasse ici. Ça va être cool, mais c'est vraiment beaucoup genre d'organisation, puis de préparation, puis tout. Fait que je passais genre les deux dernières heures à faire du rangement, du ménage, puis tout pour lui donner un petit coup de main, parce que là, lui, il est parti faire des commissions pour ça. Fait que
Fait que c'est ça. Bref, moi je pense que je vais terminer le vlog là-dessus. Je travaille au resto ce soir, donc le reste de ma journée va être pas mal impossible à filmer. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé puis vous voulez que je continue ces weekly vlogs là. Je pense que par le temps que vous voyez ce vlog-ci, ça va être Noël ou presque. Bref, si c'est le cas, joyeux Noël, joyeux temps des fêtes. J'espère que vous allez en profiter pour vous reposer puis relaxer puis prendre ça, faire des affaires que vous avez envie de faire avec vos amis, avec votre famille et tout. Compte tenu des nouvelles règles qui ont été annoncées dans les derniers jours. Fait que bref, je vous embrasse, je vous aime fort. Je vous souhaite un beau temps des fêtes. Puis on va se voir très bientôt. Bye bye tout le monde.